commence avec mes bananes. Là, j'ai mis, pour lui, je mets des œufs. Mais ici, mes farines, c'est de la farine d'amande, okay. La farine de noisette, de la protéine de riz. Je mets un mélange de farine de quinoa, de millet, tout ça intéressant, du sucre de coco pour que ça soit plaisant. Je mets du cacao parce que mon pharmacien me dit que c'était très bon. Là, je vais juste vous montrer mon huile d'avocat, comment qu'elle est belle. Elle est verte. Elle est verte. Ça, ça veut dire qu'elle n'est pas raffinée. Elle est complète. Je mets du sel iodé là-dedans. Tiens donc. Bon, OK. Est-ce que ça a de l'allure, madame la nutritionniste, comme plat principal, mettons, qu'on avait un enfant qui mangeait, qui passait à travers ça? On a des bananes aussi. C'est excellent. J'essaie de façon, peut-être les légumes, y a-t-il une façon d'intégrer peut-être un zucchini râpé? Ou... Il prend des jus verts. Il prend des jus verts. Côté légumes, mais zucchini, ça serait une bonne idée de mettre ça là. T'as combien d'œufs là-dedans? Deux! Protéines de riz aussi. On en a notre protéine. Et j'ai de la farine d'amande, farine de noisette. OK, bonne idée. Une bonne densité, c'est correct.